de la police, soit t'as dit, ça t'a voulu dire que la police, la justice qu'a passé la police l'ordre. La police pas capable, la justice pas capable passer la police l'ordre. Mais l'ordre structure gouvernementale. DCPJ lui-même. DCPJ c'est pour pas qu'elle travaille même. L'ordre structure. C'est pour DCPJ dans la rue, c'est pour pas qu'elle travaille. L'ordre structure gouvernementale. Mais la police administrative qui là pour faire prévention crimio, il pas travail pour le parquet. Mais sous prend structure. Ah, bon, excusez-moi. La police administrative qui là la, c'est la police administrative qui là pour faire prévention infraction yo pour infraction pas arriver pour éviter que infraction arrive, il y a travail pour l'état, pas un problème pour les pouvoirs publics, mais yo pas travail pour le juge de paix ou le commissaire du gouvernement comme OPJ. Oui, oui, la police est un OPJ inférieur par rapport aux autres OPJ. Oui, le commissaire du gouvernement est le chef des OPJ, etc., etc. Mais, ou il y a un texte qui montre que mes collaborations, monsieur Gain pour le faire ça, monsieur Gain pour le faire ça. Donc, c'est un coup à dire que le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement décide que il y a trois comportements pour l'adopter. Le classement sans suite, s'il estime pas gain matière. La citation au correctionnel, si fait yo t'assembler délit, la saisine du cabinet d'instruction, il pas auxiliaire cabinet d'instruction pour autant, non? Le lit obligé, le lit dans situation que, puisque par exemple, il y a mort d'homme, et que ça est l'instruction en cette matière, l'instruction devient obligatoire, la voue dans le cabinet d'instruction, il pas auxiliaire pour autant, non? Donc, moi, ouais, y a une chaîne de collaboration qui est établie. Mais ou après que vous prudence, il n'y a pas répété terme auxiliaire là. Mm-hmm. Mais je précise que la DCPJ, dans chaque seconde de travail, c'est seulement c'est pour parquet que l'a fait. Il n'a pas fait pour l'autre personne. Mais je ne dis que l'article a fait, l'article 10 fait de la police l'auxiliaire de la justice. Non, ça c'est une interprétation. Oui. Moi ça me constate, c'est que l'article a constaté que moi, il y a une chaîne qui a plusieurs maillons là-dedans. Ça veut dire qu'il y a Jacques qui a telle mission, qu'il y a Pierre qui a telle autre mission. Par exemple, le juge de paix. Le juge de paix a deux casquettes. Le ligon casquette de juge. Le ça, il est totalement indépendant. Mais il y a une casquette d'officier de police judiciaire. Et la casquette officier de police judiciaire, là, c'est pour le chef des OPJ que l'a travaille, qui c'est le commissaire du gouvernement. OK. Pour un bail, et mettre Pierre-Louis deux minutes, même j'ai noté bail. Je pense que c'est terme auxiliaire, tu as prouvé qu'il est dans la législation. C'est comme le terme exéquature. Exéquature n'a pas existé dans la législation haïtienne comme terme juridique. Le terme exéquature. Nous définissons comme une sorte de visa, une sorte d'autorisation du parquet pour l'exécution d'une décision de justice. C'est comme ça que nous définissons exéquature là. Mais dans la législation haïtienne, le terme exéquature n'existe nulle part. Mm-hmm. Ok. Mais Pierre-Louis m'a pris l'eau là. Hein? Oui, allô. Uh-huh. Bon. M'a salué mon ami Peggy, mon confrère Peggy, et m'a salué DJ Marcel et tout auditeur, auditrice et émission en moment de l'été, captain de Haïti à l'étranger. Faut que tu aies baissé radio beaucoup de là. Complémentarité la fait. Baissé radio beaucoup de là maintenant. Ah oui, merci. Merci. Oui, ma fonte ont une complémentarité avec Peggy. Et premièrement, il faut nous comprendre qui est le terme auxiliaire avec lui. Très bien. Et en général, bon, il y a là où je devais me barrer la rouge. Auxiliaire veut dire aide. Au service de. Ah, ok. Aide. Aide, ah ouais. C'est ça, auxiliaire même veut dire. C'est un auxiliaire. Assistant, aide, et même support. Donc, dans la loi. En matière pénale en général, dès qu'il s'agit d'infraction, la police est auxiliaire de la justice. Oui, d'accord. Deuxièmement, police nationale en général, et pas seulement des CPJ, la police nationale en général, loi sur la police, là, code pénal, là, code sur criminel, là, fait de la police en général, il y a deux missions, prévention et répression. Très bien. Quel que soit policier, quel que soit côté, il est maintenant cabane en civil. Il n'est pas besoin de relever DCPJ. DCPJ a une mission spécialisée lui-même avec la commission du gouvernement, la chaîne pénale là comme OPJ. Mais tous les officiers de police, OPJ,
dès qu'il s'agit d'infraction. Moi d'accord. Surtout en matière de flagrant. Moi d'accord ça. Donc, quand je dis, je n'ai pas besoin d'employer. Mais là, elle a fait prévention. Là, la police a fait prévention, il n'est pas auxiliaire de la justice. Je termine mes propos. Quand Tesla dit que la police est rurale et urbaine, recherche les délits, les contraventions, les crimes, etc., dresse les rapports et achemine. Moment. Ça veut dire qu'il travaille pour le compte de la justice. Donc c'est ça que c'est l'auxiliaire, même si le mot auxiliaire pas paraître dans le texte là, expressis vers pis. Et ça, c'est même d'habitude. Non, mais quand il y a une question pour vous. Alors, naturellement, question ça, dossier ça fait débat en pile dans la justice. Lorsque le juge d'instruction émet son ordonnance de clôture, OK, le lit acheminé, le juge d'instruction travaille pour le commissaire du gouvernement. C'est ça. Et est-ce que cela fait du juge d'instruction? Non, le juge travaille pour le commissaire du gouvernement, c'est le même. Mais ça, vous pourrez dire. Est-ce que la police en matière pénale, bon, c'est une juridiction? Est-ce qu'on a une juridiction créée, juridiction de la police? Moi d'accord. Juridiction, tellement. Là, on n'a aucune décision garante, sauf en matière de contravention routière. Pas grave, c'est une spécialité de la police. Et même contravention, juge de paix a révoqué. Même contravention, juge de paix a révoqué. Non, c'est pour mon tour que je suis d'accord. Même en matière de contravention, juge de paix a révoqué. La police est juge seulement en matière de contravention routière, code de la route. Parce que soit pas d'accord, son recours pour faire, parce que son juge lié de ça. Maintenant, en matière pénale en général, quelle que soit la police en général, quelle que soit la police judiciaire ou bien quelle que soit la police, c'est la police, hein, la police est auxiliaire des pouvoirs publics, mais en matière pénale, la police est auxiliaire de la justice parce qu'elle n'a aucune décision qu'elle prend. Elle arrête, elle convoque l'interpellé. Ah, mais pas de problème. La justice l'interpellé. Pas de problème. À moins que maintenant les salles ne pas fondées. C'est ça, en matière pénale, pas de problème. C'est pas pour mettre petit peu, pas de en matière pénale, moi d'accord, maître. Ok, d'accord, merci. En matière pénale, c'est ça, merci. C'est ça. Alors, maître Eugène vient à lui. Alors, on peut dire que c'est ancien professeur, moi, à l'Université d'État d'Haïti. Ancien professeur, moi. C'est ça. Donc, même si je suis un point de divergence avec lui, donc, faut m'exprimer là avec respect et modération. Il fut mon prof de droit fiscal à l'Université d'État d'Haïti il y a une quinzaine d'années. Alors, c'est ça, Marcel n'a pas avancé. Moment, vérité. Bon. Alors, m'a dit que dans la situation que nous y a, c'est que l'insécurité a de plus en plus li hanté les esprits et je dis, j'en remets dire. Personne qui sorti pas qu'à une certitude que vous avez retourné. Ou capable de la foi que vous avez retourné, mais vous n'avez pas la certitude que vous avez retourné. Et son situation qui pour le moins alarmante, et ça qui pique grave dans la question, Marcel, on a comme l'impression que le pays n'est pas dirigé. On a comme l'impression que les citoyens, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est ça qui est grave. Parce que, en fait, pas un pays du monde qui pas une insécurité. Mais si vous allez Chili pour vous dire capacité d'intervention de la police, ça veut dire, il y a un citoyen qui est en difficulté là, Kaeli, qui relaie la police, combien de minutes que la police a privé. Vous allez dire, waouh, vous voyez exemple Chili, qui sont un petit pays de l'Amérique du Sud. Un petit pays de l'Amérique du Sud qui tout près nous là. Donc, n'a dit que nous-mêmes, nous pas dans l'affaire monde. Donc, il y a un monde qui a un problème la nuit qui t'a pensé relayer la police. Ou il y a au moins 4 difficultés. Ou bien relayer la police pas jamais décroché. Ou bien la police décroché, ouais. Possibilité que le pas décroché. Ou bien 2, la police décroché, mais il dit que il pas de gaz. 3, il décroché, mais il pas de machine. Il y a une machine là, c'est gaz qui pas de. Gagnon, c'est machine qui pas gagne du tout. Et qu'on quatrième possibilité, la police vient dans une situation côté que
li pas intervenu parce que le pas connaît qui est qui persécute. Est-ce que c'est pas l'État même qui d'ailleurs donc là il met les moyens la police pour venir porter secours, est-ce que lui-même il pas réprimé par la suite? Donc est-ce que c'est pas les pouvoirs publics qui sont en train de vous Capesecuto. Ouais. Donc ouais toute difficulté que au Cagayan. Oui. Ou bien oui, yo voulez venir. Yo gen moyen pour venir mais yo dit la force concurrente à savoir ceux qui vous attaquent, c'est les forces concurrentes la police, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Mm-hmm. Donc nous pas capable mettre vie nous en péril pour nous venir essayer sauver. Ou bien n'a venir mais son balle que nous tendez là dit c'est replier pour nous replier. Mm-hmm. Maintenant, quel niveau que le pays a descendu, justement. Mais eh ben c'est ça, Peggy. C'est que je dis, il faut que nous prenions courage, nous, à deux mains, pour nous dire vérité. Et je pense qu'il faut fixer les responsabilités. Parce que moi-même, je regarde le pays, je dis. Je regarde le niveau que nous sommes là. On se prend l'exemple d'un gouvernement qui a perdu totalement le contrôle du pays. Parce que c'est ça qui arrivait là avec la question 400 Maozoa. Mm-hmm. Gouvernement montre une faiblesse. Li. Mm-hmm. Ou complicité, peu importe. Ça veut dire qu'il doit soit complicité ou bien faiblesse. Mm-hmm. Mais le silence, il dit beaucoup de choses. Et c'est ça que nous devons comprendre. Un silence peut être très parlant. Nous songeons-le que Danila Ferrière, dans l'intervention, tu as parlé d'un monde qui parle en pile. Il dit que ce bonhomme parle tellement qu'on ne l'entend plus. Et bien, c'est la même chose. Souvent, on silence. Comme si le silence est tellement parlant et le gouvernement est trompé. C'est que je dis à tout, on peut. On n'a pas parlé comme ça, ou bien possibilité qu'on associe à un série de bagages. Gouma, comme je dis là, Peggy, les maps gardent l'état que le pays a, aujourd'hui, ou se fait référence à ça là. Est-ce qu'on connaît, m'a réfléchi, mon paquet de bagages qui vient dans la tête, mais il y en a un particulier qui vient dans la tête là, que je dis, qui est très fort d'ailleurs. M'a regardé un série de nègres qui est ministre, par exemple, qui était ministre dans le passé, qui se retrouve dans l'opposition, et qui baille tête une certaine latitude. Pour être capable de bailler le son. Je me suis dit qui était sénateur, qui était député. Comme si nous avons une certaine latitude, je dis, pour acculer Jovenel. Jovenel, pas bon, tout le pour Noël, les résultats sont là. Mais de quelle légitimité qu'on a fait ça, alors qu'on est dans ce poste-là, ou pas faire rien pour empêcher justement que nous gagnions Jovenel au pouvoir, je dis. Parce que l'on prend pouvoir, ça qu'on gagne là, avec tout type de monde. Si je prends exemple pour. Je ne vais pas faire nommer. Bon, le président, je ne vais pas le faire citer tout l'autre monde. Mais l'on prend pouvoir qu'on gagne là, je dis. Si nous prenons régime PHTK. Mais le régime PHTK, qui est-ce qui a couché? Qui est-ce qui baille? Mais ce sont les hommes qui ont pris le pouvoir après Duvalier, qui te font paquet de batailles, batailles louables pour voir Duvalier aller. Et puis, tout de suite après Duvalier, ils ont montré leur vrai visage. Que c'était des jouisseurs qui ont juste voulu prendre la place des Duvaliers. Parce que là, pour pouvoir, ça demande du travail. Comment expliquer que Jodia, ou un gouvernement qui arrivait au pouvoir, on prend le cas du ministère de la Culture. Imaginez que ce ministère n'a même pas un loi cadre. Ça veut dire que, qui est-ce qui font gouvernement? C'est d'abord et avant tout, ils ont politique. Nègla, t'es dans l'opposition, le prend pouvoir. Il va même prendre le temps de chita travailler pour le produire en politique publique. Bon, je dis à qui ça? Moment. Ceux qui sont basés pour critiquer les là, les que ou pas tracer qu'une ligne pendant t'es là. Même le Parlement. Vous pas qu'être nèg moué qui n'a Parlement, qui t'es dans Parlement, je dis à qui dehors. Mais ils avaient la possibilité pour que y'a été proposé des lois pour t'es capable plus ou moins structurer fonctionnement ou bien gestion gouvernementale. Y'a pas fait. Donc, quelque part, même le ou prend le temps pour parler, ou parler devant moun, on peut par exemple, c'est la raison pour laquelle nèg yo kembe peuple là dans situation ça que li là. C'est pour être ça que éducation arrive dans niveau ça, son façon pour que peuple là capable prendre tout ça yo bali. Mais moi-même, non je pam, mon paquet moun qui dans opposition à la cap parler qui pas gain légitimité pour yo parler. Parce que ce sont des gens qui ont accouché Jovenel par premièrement leur paresse parce qu'ils n'ont pas su travailler comme l'était le fait. Yo pas produit. Deuxièmement, ou est que l'on garde les ou garde situation économique, et pour garder, par exemple, combien qui revient à un directeur général, à un ministre, nèg la
création de la richesse, Haïti l'y reculé. Donc ça veut dire le gouvernement actuel, avec Jovenel Moïse dans la tête, il n'est pas capable de justifier. Il est difficile pour justifier, je dis, qui ça que fait pour élever la population haïtienne en dignité. Mais ils n'ont pas les seuls. Ceux moun qui étaient là avant yo, pas de créer cadre pour que yo même là yo vini pour yo ta plus gain difficulté. Faut que nèg yo comprenne ça. Les nèg la vini, faut que li gain difficulté pour le foncer de bagarre. Donc tu est-ce que je dois comprendre que tu es en train de trouver des circonstances atténuantes à Jovenel? Non, ça c'est vous même qui interprétez. Je pose